C'est moi. C'est moi l'aînée. Chacun son tour. Vous allez la boucler, ça suffit. L'été dernier, on avait passé des vacances géniales avec notre grand-père, comme les autres années. Moi et mes frères. Mes frères et moi. Bon, si tu veux. On s'entraînait du matin au soir pour devenir des maîtres ninjas. À la campagne, chez mon grand-père. Ouais, on a plein de copains qui vont en colo. Alors que mes deux frères et moi, on étudie avec notre grand-père japonais. Presque tous les matins, il vient nous réveiller avec un nouveau défi. Que je suis toujours prêt à relever. Moi aussi. Moi aussi. Tu parles. À voir comme ça, il est bizarre, grand-père. Mais pour les arts martiaux, il est vraiment génial. Ouais, même qu'il peut massacrer 50 types en 2 secondes. Mais tais-toi. Tais-toi toi-même. Bon, ça y est. On s'entraînait depuis qu'on est tout petit. Toi, t'es toujours petit. Pauvre type. À force de s'entraîner, on pouvait devenir de vrais ninjas. Et on l'était devenu. Heureusement pour nous, parce que cet été-là, on n'était pas prêts de l'oublier. Mal au rein que j'ai décidé de faire un petit tour en altitude. Mais un peu plus et tu étais vaincu. Oui, un peu plus et tu étais vaincu. Quelle naïveté. Oh, Michael. Quoi? Si je n'avais pas arrêté la voiture, tu ressemblerais à une banane écrabouillée alors qu'il est. Comme dans les dessins animés. On ne va pas se laisser faire comme ça. On l'attaque et cette fois, on l'a. Il y a deux leçons qu'il vous faut retenir après une telle bataille. Premièrement, ne jamais attaquer sans être sûr de vaincre. Et l'autre leçon? Ne jamais escalader un arbre plein d'épines. Oh, yo. Regardez bien. Où tu l'as eu ce masque? Il est affreux. Ce masque,
C'est mon père qui me l'a offert le jour où il m'a donné mon nom de combattant. Et j'entends perpétuer cette tradition avec vous. Ton nom de combattant ? Mais moi, j'ai un nom, grand-père. Oh, tu as un nom de famille, un prénom. Mais ton nom de ninja, tu ne le connais pas. Vous êtes prêts ? Samuel ! Maître ! C'est ton masque que voici. Et à partir de maintenant, tu devras porter le nom de Rocky. Parce que tu es fort, solide et patient comme le roc. Prends ce masque. Oui, je serai fort. Jeffrey, tu as l'esprit éveillé d'un cheval sauvage épris de liberté. Dorénavant, tu porteras le nom de Mustang. Mustang ? Ouais, sympa. Et moi ? Je peux m'appeler Schwarzenegger ou alors peut-être Super Goldorak. Ou bien alors Super Couche-Culotte. La ferme pisseux. Petit coquin, toi le gourmand dont l'estomac gargouille du soir au matin, tu porteras désormais le nom de Ramdam. Ramdam. Quand papa saura ça, ça va être le drame. Dis, il sera à la maison, papa, quand on reviendra demain. On verra. Il travaille beaucoup. Et son métier lui pose énormément de problèmes, Ramdam. Voilà le hangar. Voilà la marchandise. Ce fut une joie de faire affaire avec vous, Monsieur Snyder. Et j'ai l'honneur de la part d'un peuple fier et reconnaissant de vous annoncer que je vous arrête. Bouge plus, Snyder ! FBI ! Lâche cet homme, Snyder! Rends-toi, c'est un ordre! T'as des surprises? Eh ben, moi aussi! Le FBI! Ouh! C'est gentil à vous d'être passé me voir! Mais je dois prendre un vol! Sam! L'agent Green n'a rien. Et on a tout trouvé. On a les fusils, on a les mortiers. Il y a assez de matériel pour faire une guerre mondiale. On a tout. Moi, je n'ai rien. Je veux Snyder.
Il me le faut. Il faut que je l'attrape. Salut, je te rappelle. On a eu chaud aux fesses, hein, c'était moins une. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud, man. Pas vous. Bien. Moi, qui ai failli être arrêté. Ça, c'est évident, oui. En plus, c'est... Encore ce Sam Douglas, bon Dieu de bon Dieu. Moumoul. Je l'ai rencontré quand je travaillais avec Mori Tanaka. Le type du FBI, c'est un ninja, lui aussi. Mais taisez-vous, crétin. Douglas méprise les arts martiaux. Mais ce ministre a épousé la fille de Mori Tanaka. Mais quel vénard, ce vieux Mori. C'est pas tout le monde qui marie sa fille à un flic, hein. Monsieur Brown, nous allons honorer mon vieil ami et maître Mori d'une visite. Bonne idée. Ne t'inquiète pas, je le garde pour déjeuner. En suivant mon entraînement, ils apprennent beaucoup de choses. Grand-père, c'est qui là sur la photo? Quoi? C'est ta grand-mère. Je sais pas que ton mari est contre nous. C'est à qui? Je parle avec ta mère. Écoute, je sais qu'il trouve ça ridicule. D'accord, Jessica, je me trompe peut-être, mais il devrait passer plus de temps auprès de ses enfants, ça c'est sûr. Chaud devant! Mustang, qu'est-ce qu'un ninja? C'est un homme qui sait vaincre son ennemi par la ruse en exploitant tout ce qui est à sa portée. Il est rapide et il respecte son environnement. Un ninja est droit et honnête. Sa pensée, son corps et son esprit ne font qu'un. Il est capable de se contrôler et de se discipliner. Un ninja aime la nature parce qu'il en fait partie. Un ninja ne se bat jamais s'il n'est pas sûr de se battre. Le cœur d'un ninja, son esprit, son corps, sa pensée sont en harmonie. Il ne doit jamais exercer son pouvoir contre un être plus faible qu'il ne l'est lui-même. D'accord, mais presque tous mes copains sont plus fragiles que moi. Et plus lents aussi. Ne sois pas présomptueux. C'est ça, sois pas présomptueux. Et t'as raison, grand-père. Très bien. Donnez-moi vos mains. Que l'amour et la vérité ne fassent qu'un. Là où une simple corde cédera. Quatre cordes. Tressés ensemble, résisteront. Wow. Grand-père, qui ça peut être? Restez ici, mangez. Qu'est-ce qui se passe? Tu attendais quelqu'un? Je veux voir, pousse-toi. Arrête! Du calme! Agissez en ninja, pas en bébé. C'est pas moi, c'est eux. Quelqu'un?
Asseyez-vous. Alors, tu es encore agile. Bravo pour les réflexes, cher ex-associé. Snyder, la plus grosse bêtise que j'ai faite, ça a été de m'associer avec toi. Je t'en prie. Regarde-toi, tu vis dans une cabane. Je suis sûr que tu as du mal à trouver des élèves ici. Je parle pas de ces trois nourrissons, là. Ces nourrissons, c'est ma famille. Ça leur plairait peut-être de travailler pour moi. Je forme des ninjas, pas des meurtriers. Écoute, j'aimerais que tu entraînes mes hommes. Tu les as vus tout à l'heure, ils sont ramollis. Tu reprends l'entraînement. Et je te paie une vraie fortune. C'est pour ça que tu es venu me voir? Pour être honnête, non. C'est à cause de ton gendre, Sam Douglas. Débrouille-toi pour qu'il me lâche pendant 2 semaines. Dans son intérêt et dans le tien. Pas dans le mien. Sinon, tu perdras beaucoup d'argent. Et peut-être aussi un gendre. J'irai même plus loin. Imagine que Douglas ne soit plus là. Il n'y aura plus personne à part les enfants pour défendre l'honneur de ta charmante fille. C'est triste, hein, de vieillir. On perd ses réflexes. Prends l'argent. Parle à Sam Douglas et débarrasse-moi de ce flic. Ou je te donne ma parole que tu le regretteras. Monsieur, venez. En position. Oui, maître. Oui, maître. Qui vous a dit que j'avais besoin de vous? Je vous avais demandé de rester à l'intérieur. Un ninja n'est jamais présomptueux, grand-père. Tu as raison. Approchez. Oh là là, quelle horreur! Silence, messieurs. Oui, maître. Avant que je vous l'enseigne, vous devez me promettre que vous n'utiliserez cette connaissance qu'à condition d'être en danger. Car vous n'avez le droit de faire appel à cette technique que pour sauver vos vies. Vous le promettez? Maître. Si l'on frappe à certains endroits très précis, que je vais vous montrer, la personne frappée ne se souvient de rien. Elle se rappelle que ça fait mal, c'est tout. Il n'y a aucune chance pour qu'elle ait envie de continuer le combat. Rocky. Maître. Tu vas frapper ce point-là. Oui, c'est ça. Attention, maintenant, tu vas frapper ce point-là. Mais grand-père, c'est le même point. Non, ne crois pas ça. Attention, à toi. Tu as vu? Il n'y a aucune réaction. Quelquefois, il n'y a qu'un millimètre entre la vie et la mort. On continue. Je veux que vous vous entraîniez sur les autres points. Là, 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 là et là. Je veux que vous vous entraîniez pendant 1 heure et demie. Ensuite, je vous ramène chez vos parents. Mais on veut pourquoi on n'est pas pressé? Ça suffit! Je vous laisse. Tu crois que c'était qui le gars avec le costume blanc? Ah, j'en sais rien, mais vu ce qui s'est passé après avec grand-père, c'était sûrement pas un vrai combat. N'empêche que les sabres, c'était des vrais. D'accord, mais moi je suis sûre que c'était un vieil ami de grand-père. Peut-être, mais ils sont vachement bizarres, ces copains. Regarde qui est là. La ferme, Andouille. Mais c'est ta fiancée, regarde Espoir. C'est pas ma fiancée. Hé, hey, tu l'embrasses? Oh ouais, dis, tu l'embrasses? Non, mais par contre, je vais vous tuer si vous me lâchez pas. Hé, hey, papa est là. Gary, fais-moi penser qu'on a une réunion à 6 heures, d'accord? Attendez, et j'ai besoin d'un rapport balistique. Bien, alors les gars,
C'était chouette, les vacances chez grand-père. Super, regarde, on a appris de nouveaux trucs. Non, Jeffrey, tu me racontes pas tout ça. Je suis pas Jeffrey, je suis Mustang. Moi, je suis plus Jeffrey. Sam, je suis Rocky. Et moi, Ramdam. Michael, tu es Ramdam. Oui, moi, c'est Mustang parce que je suis rapide, lui, c'est Rocky, il est solide. Ouais. Et lui, c'est Ramdam à cause des glouglous de son ventre. Quand j'ai faim, ça fait gloup. Ça ne me plaît pas beaucoup que vous ayez fait du karaté tout l'été. Les nouveaux noms, c'était indispensable. Moi, mon nouveau nom, je l'aime. Sam, dépêche-toi, on va être à la bourre. On en reparlera. Je dois y aller. Je suis content que vous soyez là. N'oublie pas d'embrasser ta mère, Jeffrey. Non, c'est Mustang. Salut. Salut. Alors, il paraît que tu vas t'appeler Rocky ? Non, c'est un surnom. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Rocky, c'est vachement romantique. Faut que je rentre. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. Bonsoir. Salut, maman. Salut, maman. Oh. Où tu vas, toi? Mais lâche-moi, j'ai super faim. Quel numéro? Et celui-là? Hé, hey, je suis sûre que tu vas devenir un vrai ninja. Tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qui est le plus dur, être un bon ninja ou une bonne mère? Monsieur Brown, je veux que vous enleviez les trois avortons et que vous les gardiez en otage jusqu'à ce que j'ai conclu l'affaire avec le colonel Farouk. Douglas n'osera jamais s'en prendre à moi si je tiens ses gamins. C'est dommage, on aurait pu les emmener quand on les a vus chez leur grand-père. Mais ça, vous le saviez déjà. Débrouillez-vous pour enlever ces mômes sans vous faire prendre, sinon je vous écrabouille la tête jusqu'à ce que votre pauvre cervelle vous sorte par les trous de nez. Il n'y a aucun problème, patron, je les enlève tout de suite. Monsieur Brown. Oui. Les flics nous surveillent tous sans exception. Et si on veut qu'ils nous oublient, il ne faut pas bouger. Il nous faut des complices à l'extérieur, c'est clair? Si je peux me permettre, monsieur Snyder, je connais trois types qui sont absolument formidables. Mon neveu et deux de ses copains. Je suis sûr qu'ils seront parfaits. Appelez-les. Est-ce qu'au moins ils ont étudié les maîtres de la philosophie orientale comme tous nos employés? Ça, je n'en suis pas tout à fait certain. Mais je sais qu'ils lisent énormément. Ah, faut être honnête. Aucun homme normalement constitué ne pourrait résister à l'envie d'aller passer un mois aux Bahamas avec ce pipelot. Je n'ai jamais vu ça. Je connais pas un mec qui pourrait lui résister. Trop cool. Amigos, c'est pas une librairie. Vous payez ou vous sortez. Ah, mille pardons, monsieur l'épicier. Eh, mon grand, choisis-nous un petit apéro et n'oublie surtout pas les cacahuètes. J'y vais tout de suite. Super. Yeti, tu prends un paquet de tacos, mais pas avec la sauce de gonzesse. Ouais. J'en veux une qui arrache. Cool. Quant à vous, monsieur l'épicier, je vous prie d'ouvrir le tiroir. Regarde les choses en face, Bruce Lee, t'es en train de te faire braquer par trois délinquants. Tu veux dire? Alors file-moi la caisse sans discuter, parce que j'ai mauvais caractère. Ah. Oh mince. Excusez-moi, monsieur, je peux me servir de votre téléphone? Mon cher Félicien! Bon, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais de toute façon, tu laisses tomber. J'ai du boulot pour toi et tes copains. Tu as toute mon attention, tonton. Alors écoute. Tout ce qu'on vous demande, c'est de kidnapper des gamins. Et ça peut être n'importe lequel au hasard, ou vous avez besoin d'un modèle en particulier? Ils sont particuliers, même très particuliers, et ils sont trois. Tu as un stylo? Je te donne l'adresse. Pacheco, c'est noté, tonton, tu peux compter sur nous. Il n'est pas question que tu ne réussisses pas, ou je te fais tuer. Ouais, mec. Trop cool. Il faut que ce soit réglé ce soir. Je serai enfin débarrassé de Douglas. Faxé au colonel Farouk. Que je suis en mesure de lui livrer les missiles sous 48 heures. Qu'est-ce que ça me plaît d'être malhonnête. L'école, ça me gonfle. Je veux rester avec grand-père. Oui, moi aussi. Fermez-la. Maman va vous entendre.
Oh, tu diras bonsoir à ta fiancée de ma part. Tu diras bonsoir à ta fiancée de ma part. Ça n'est pas ma fiancée. Rocky aime Emily. Rocky aime Emily. Rocky aime. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Mes frangins sont vachement atteints. Vous partez à quelle heure demain à l'école? À 9h48, comme d'habitude. Rocky aime Emily. Rocky aime Emily. Alors je pars avec vous. Si tu veux, mais sois pas en retard. Rocky aime Emily. Rocky aime Emily. Rocky aime Emily. Il y a maman qui se pointe. Aux abris. Je coupe, à demain. J'ai décidé de goûter une nouvelle marque de bonbons, vous en voulez? Non. Bonne nuit, Rocky. Bonne nuit, Ramdan. Bonne nuit, Mustang. Bonne nuit. J'en ai avalé un tout rond. Dans Drôle de Dame, c'est Cheryl Ladd ou Farafacette? Je crois que c'est les deux. Ouais, 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 bravo. Et dans Rick Hunter, la brune, c'est qui? Hein? Jean-Claude Van Damme. ça doit être là. Les mecs, on entre par la porte, on prend les lardons et on se tire. Mais Lionel, oh ! Vous venez prendre un café ? Ah oui, ça me dit, je vous rassure, c'est ma femme qui le prépare. Quelque chose me dit que c'est des flics. Dur ! Tu veux toujours qu'on entre par la porte ? Ils sont tous armés. Ne sombrons pas dans le désespoir. Il fera jour demain. Et il sera toujours temps de passer à l'acte. Hamburger? Ouais. Petite bière? Trop cool. Bon, alors on se casse. Non. Nous allons protéger notre famille, toi et moi. De maths. Chérie, cherche un peu mieux. Je suis sûr sûrement que je l'avais laissé ici hier soir. Rocky, tes pieds, enlève-les de la table. Papa est encore dans la salle de bain? Non, il est déjà parti. Ça fait longtemps. Non, je t'ai dit de le couper en diagonale. Personne ne va ouvrir. J'y vais, crie pas. Où est mon sac à dos? Salut, vous êtes prêts? Salut. Allez, Mustang, vite. Bonjour, Emily. Bonjour, Madame Douglas. Où est mon sac à dos? Il est dans ton dos, mon chou. Tiens, prends tes sandwichs et ne les perds pas. Mustang, Ramdam, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Tiens, Rocky, attrape. Au revoir et bonne journée. Regarde, ils vont à l'école. C'est terrible. Faites devoir m'appelle. Adieu, Tartine. Hé, les gars, on traverse le chantier. Tu vas te planter. Ralenti. Tu vas te planter. Ralenti. Tu vas te planter. Oh, c'est...
C'est pas cool. Oh. On n'a plus de pare-choc. Oh, Dieu, Dieu. Oh, c'est pour qui le PV? Toi, à la ferme. Non, non, je dis ça au gamin. Rocky, pourquoi tu t'arrêtes? Je sais pas où est Emily. On s'en fout, elle a qu'à se grouiller. Ouais, elle a qu'à se grouiller. Non, je vais à sa rencontre. Rocky aime Emily. Rocky aime Emily. Il est chouette ton vélo. Ouais, c'est exactement ce que je cherche pour ma petite sœur. Rocky! Faut y aller! Allez, pédale! Magne-toi! C'est pas marrant quand c'est facile. Ça va? Très réussi ton petit numéro de voltige. Je te le récupérerai, je te promets. T'as plus confiance en moi? Oh, ben ça sent le roussi. Félicien, cette histoire ne va pas plaire à Monsieur Snyder, si tu vois ce que je veux dire. Je vois bien, tonton. Mais il faut qu'ils comprennent que la situation était vachement délicate. Il y avait des mecs du FBI qui étaient là. Et tu m'avais bien dit que vous vouliez que cet enlèvement soit le must en matière de kidnapping silencieux. La maison était bourrée d'agents du FBI. C'est très simple. Vous enlevez ces gamins ce soir. Avant minuit! C'est compris? Oui. Monsieur Brown, allez les aider, faites ce que vous voulez, mais je vous préviens. Je veux ces gamins. Et l'école, ça se termine à quelle heure? J'en sais rien. Je suis jamais resté jusqu'à la fin. Trop bon cool. Schwarzenegger peut tuer n'importe qui. Bruce Lee est capable de botter le cul à n'importe quel Schwarzenegger. Rends-le-moi, ce ballon. Oh, regardez le pauvre petit chéri qui a perdu sa baballe. Si tu veux la récupérer, on fait une partie. Ils vont se battre. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu réponds? D'accord, on fait une partie. Vous deux contre nous deux. Pour combien? Combien? Ben, on peut pas jouer d'argent, on n'a pas le droit. C'est pas vrai, j'hallucine. Regardez-moi ce minable. Il est mort de trouille, il a peur que son papa et sa maman lui donnent une fessée devant tout le monde. D'accord, qu'est-ce qu'on parie? Mustang! Mustang? C'est naze comme nous. Hé, hey, le canasson, tu veux peut-être des avoines? Faut rire. Non, Mustang! Bon, les poulettes, j'ai commencé une collection de vélos en venant ce matin, hein? Alors si tu veux, on peut parier les vôtres. Si on vous bat, qu'est-ce qu'on gagne? Ben, si vous nous battez, moi et mes potes, on vous laisse rentrer sans vous massacrer le portrait. Ouh. Ouh. On fait une partie en combien de points? Disons 10. Super, avec 9 points d'écart et c'est vous qui engagez. 9 points d'écart. Génial. Nous devons essayer de les battre en évitant la bagarre. Mais ils nous provoquent. Sans bagarre. Avec 9 points d'écart, ils sont morts. Viens, on va leur foutre la pâtée. Tu me la gardes? Pourquoi tu t'obstines à frimer? C'est pas de la frime, c'est juste une partie de basketball. Ah, Yeah!
y arriveras pas. Vas-y. 9. Gonzesse. Tu y arriveras pas. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Vous devriez déjà être au lit. Il est 9h. Où est papa? Il est sur une affaire très délicate. Justement, j'ai rendez-vous avec lui. Tu crois qu'il va dire à grand-père de ne plus rien nous apprendre? Chérie, on verra ça plus tard. Ton père est préoccupé par cette enquête. Je ne crois pas que ce soit le moment de lui parler de ça. Mais c'est qui le type? Après qui il cavale? Il y a une photo dans le dossier. Si tu veux, tu peux regarder. Dis-moi au moins à quelle heure vous rentrez. Tard. Alors tu vas au lit. D'accord? Et regardez ce que j'ai trouvé. Et c'est lui le type qui est venu hier. Et c'est lui que papa essaie de pincer. Tu crois quand même pas que grand-père fréquente un truand? Ça se peut pas. Mais si, justement, c'est écrit, je l'invente pas. Hugo Snyder, ex-associé de Mori Tanaka. Aucun doute, c'est grand-père. Tu crois que grand-père aussi est un escroc? Mais non, pas lui, c'est débile. Mais c'est écrit là, Rocky, ils se connaissent. Et puis on les a vus plaisanter ensemble quand même hier. Faut qu'on le dise à papa. C'est pas possible de lui dire. S'il est au courant qu'il continue à se voir, les vacances avec grand-père, c'est fini. J'arrive pas à croire que mon grand-père est un bandit. T'es dingue? Ah, il est dingue! Attention les mecs, l'opération Lardon est lancée. On met nos montres à l'heure. Ouais, mais il est quelle heure? J'en sais rien, j'ai pas de montre. On est les meilleurs! Dis donc, face de rat, les gamins, ils sont à l'intérieur. C'est vachement vrai ce que tu viens de dire. Ah, cool! Ah, y en a sûrement un de nous trois qui a un horoscope d'enfer ce mois-ci. Oh, bonsoir les pizzas! Allô, Rocky? T'es là? Coucou! Y a quelqu'un? Allô? C'est toi, Rocky?
Hé, c'est Emily. Elle veut parler à son Rocky. Rocky aime. Dis-lui que je fais des maths. Il a dit de te dire qu'il est vachement amoureux. Rocky aime Emily. Oh. Je peux pas te parler maintenant. J'ai trop de boulot pour demain. Mes parents vont me tuer si je le fais pas. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Qui est là? C'est la pizza, madame. J'ai pas commandé de pizza. Ben, c'est un enfant au téléphone. Et si vous payez pas, on vous dynamitera. Ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il est sensible? Ça, c'est mieux. D'abord, on fesse toi. Ensuite, on guerroie. Hé, les gars. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 livreurs qui ont assommé la babysitter à coups de pizza. Valable. La mauvaise nouvelle, c'est que... ils sont armés jusqu'aux dents. Bon, attendez, pas de panique. On appelle la police. Mais il n'y a pas de poste à l'étage. Émilie, j'appelle Émilie et elle appelle la police. Attendez, Rocky, c'est peut-être notre chance. Si on arrive à arrêter 3 cambrioleurs sans se faire aider... Alors peut-être que papa comprendra qu'un ninja est capable de faire... Génial! Alors on essaie? On va les massacrer, ces types. Je trouve qu'un kidnapping, c'est vachement plus marrant qu'un hold-up, non? Cool. Ouais, j'ai jamais eu de pizza dans mes hold-up. Dur. La sauce est pas dégueulasse, hein? Ce serait sympa d'en garder un petit morceau pour les gamins. Ouais, cool. Ils sont sûrement très gentils. Où sont nos armes? Le lance-pierre, les poignards, les frondes? Ils ont été confisqués par papa, il veut pas qu'on s'en serve. C'est malin. Et comment on va se défendre? Ils sont armés et nous, on a rien. Ils sont là. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Trop cool. Alors, on y va. 1, 2, 3. Waouh. Oh, la piole, merde. Cool. Coucou, les enfants. Il y a de la bonne pizza. Petit, petit, petit. Où est-ce qu'ils sont, ces petits cons? Si j'étais un petit con, où est-ce que je me cacherais? La piole de papa et maman! Maniez-vous, les mecs! Le dernier qui sort ferme la porte! Viens! Allons-y! Mustang, tu te sers de la petite pièce que maman est en train de refaire. D'accord. Ramdam, toi tu te sers de la cuisine. Génial. À vos places, et on se prépare pour la phase numéro 1. Petit. Regarde. Allez Ramdam, merde, vas-y. Tu crois qu'on peut l'essayer? J'en ai trouvé un!
Oh mon Dieu, des cambrioleurs. Des cambrioleurs? Je croyais qu'on était des kidnappeurs. Ouais, dur. Hey! Bonne chance, Mustang. Où t'es, microbe? Te fatigue pas, on sait que t'es là. On veut pas te faire de mal. On veut seulement te kidnapper. Montre-toi, sois pas idiot. Viens voir tonton. Viens là. Arrête, c'est moi! Merde alors! Excuse-moi, mon pote! Pas cool! Pourquoi tu m'as tapé? Pas cool! Bon, ça suffit, tais-toi! Où il est, ce monde? Impossible qu'il soit au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'il prend? Tu m'as tapé. Vous êtes fous. Arrêtez. On sort de cette pièce. Aucune objection, je suis d'accord. Il y en a deux autres à tes côtés. C'est encore fermé à clé. Force. Attention à la marche. J'en ai marre de tomber. Et pousse ton. Attention, c'est lui! Quelle oreille! Mon jean va être tout gras! Qu'est-ce que tu fais avec les CD? Maillez-vous! Allez, attrapez-les! Attention, les voilà! Vous le détestez, hein? Mon nez est à moitié cassé! Tu vas me le payer! Sors de ta planque, microbe. On a fini de rigoler. Ça y est, tu as fini? Non, attends. Salut, microbe. Il est parti. Je sais que ça t'agace que je sois solidaire de mon père, excuse-moi.
C'est mon côté asiatique. Bon, très bien. En quoi ça t'oblige à te montrer aussi dur avec moi? Ça, c'est mon côté américain. C'est très amusant. On arrive à la maison dans 10 minutes, je monte parler aux enfants immédiatement, ce sera fait. Tu ne vas pas les réveiller, ça peut attendre. Écoute, Sam, ils aiment les arts martiaux, et ils aiment leur grand-père. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ça peut devenir dangereux. Viens. Ça va, lâche-moi. Coucou. Ah oh, oh. Ah, stop. Hey, ça marche. Qu'est-ce que ça bouge, ce truc? Allez, venez vite. C'est une recette de ninja. Je veux de l'eau. L'évier, il est où? Ça y est, on a gagné. En place, la phase 2. Attends. Avant la phase 2, on va leur faire une petite farce. Qu'est-ce qu'il y a dans le flacon? Tu te souviens l'année dernière quand tu as été malade et tu n'as pas pu aller aux toilettes pendant 3 jours? Oui. Eh bien, c'est avec ce truc-là qu'on t'a soigné. Diarrhée garantie. T'es malade? C'est eux qui vont être malades. Oh, passe-toi. Oh, si, je me brûle. Ça fait mal. Ça fait du bien de boire un coup. Donne-moi ça, toi. C'est un cauchemar. Je vais les buter, ces gamins. Je vais les tuer. Mission accomplie. Bon, on y est là. Phase 2. Phase 2. Boire. Boire. Où est passée phase 2, hein? Soyez cool. Libérez-moi. Je m'étrangle, les mecs. Je m'étrangle. Oh, ils sont sadiques. Non, non, d'abord celui-là. D'abord celui-là. Où ils sont? Je vais les tuer, ces monstres! Mais je croyais que tu les voulais vivants! Je veux que nous, on reste en vie! Ils sont très dangereux, ces mômes-là! Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fouille leur chambre et on cherche le défaut de la cuirasse! Un nounours! Allô? Allô? 33, 33, c'est bon. Gag brutal, appelle Charlie Polka, je répète. Gag brutal, appelle Charlie Polka. Un vol de grenouille à pédale vient de s'abattre sur la Rocky? Ville. Rocky? Rocky, c'est toi? Oh, une meuf! Hé, hey, venez! Les mecs! M'amenez-vous vite! Il faut que tu viennes. J'ai besoin de toi, c'est très important. Il faut que tu viennes! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que je te parle. C'est très urgent. Bon, d'accord. Génial. Cool. On les tient, ces petits monstres. Ça y est. Ouais. Faut descendre. Coucou. C'est moi, il y a quelqu'un? Rocky? Madame Douglas? Vous allez être contents, on a une surprise pour vous. Bon, allez. Maintenant, je répète plus. Posez vos jouets. Oh, 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 la vache, j'ai mal. J'ai super mal au ventre. Dur. Ça peut pas attendre, on a presque fini. Excuse-moi, face de rat, je sens que ça presse, j'ai pas le choix. Dur. Attendez. Bon, allez, on attend le retour de mes potes et surtout on reste bien sage. Attention, je pose une question à 100 balles. Où est caché le petit frère? Je suis là. Ah.
Cette fois, on a gagné. Il faut qu'on les finisse. Oh, 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 ça pue. Oh, c'est pas humain comme odeur. Oh, voilà. Soyez sympa, pas dans le ventre. Merci. Non, ça c'est une arme terrible. T'as rien vu, Émilie, ça va? Oui. Nous sommes vraiment désolés, madame. Vous avez froid? Je vais chercher une serviette. Eh, j'espère que vous avez pas mangé toute la pizza, hein? C'était qui, ces types, au fait? Probablement des voleurs. Soyez tranquille, madame. Nous maîtrisons tout à fait la situation. Ouais. Et le plus dur est derrière nous, heureusement. Salut, les terreurs. On va aller faire une petite balade. Oui, mais là, c'est pas du jeu, alors. M'engueulez pas. On fait tout ce qu'on peut pour retrouver leurs traces. Il faut croire que non, puisqu'on n'a pas de nouvelles. Où est Fitzpatrick? Il faut chercher de tous les côtés. Madame Douglas... Est-ce qu'on a interrogé les voisins? Pas maintenant, Emily. Forcément vu ou entendu quelque chose. Mais je sais où on emmène les garçons. C'est impossible. On disparaît pas comme ça. On n'a vraiment aucune piste. La femme a été admise à l'hôpital. On m'a dit de vous donner ça. Émilie? Vous avez vu dans quel état est la maison? Ça ne se fait pas en 5 minutes, ça. Et ça a dû faire du bruit. Personne n'a rien vu. Sam! Mais insistez! Viens, s'il te plaît. J'arrive. Snyder les a enlevés. Quoi? Oui. Laisse tomber, Snyder. Chérie, ça va aller. Au moins, on sait maintenant. On va pouvoir agir. Oh, les mains! On ne bouge plus! Attendez, ne tirez pas! Ne tirez pas! C'est mon beau-père. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu aider ma famille. Snyder a enlevé les enfants, regarde. Snyder. Je vais vous les ramener, vos fils. Qui ça, vous? Je vous en prie, Maurice. Sam, Snyder a un bateau prêt à appareiller. Je suis au courant, poste 6. Comment vous le savez? Je suis un ninja et j'ai eu beaucoup de mal à le suivre. C'est simple, on vous a suivi. Ça va, ça va. Dans le cœur de Snyder, il y a encore un ninja. C'est donc à un autre ninja de le combattre. Revenez sur Terre, Maury. Vous êtes grotesque. On n'a pas le temps de s'amuser. Mais personne ne s'amuse. Dans moins de 10 minutes, j'aurai une centaine d'hommes. Ça suffit! Vous devriez avoir honte. C'est la vie des garçons qui est en jeu. Sam, mon père a des pouvoirs que tu n'as pas. Tu as lu le message. Si Snyder te voit, il fera du mal aux enfants. Mais s'il voit Maury, c'est encore pire. Mais moi, personne ne me verra. Oh, j'en sais rien. Sam, donnez-moi seulement une heure. C'est long, une heure. Maury, vous et moi, nous haïssons Snyder. Et quels que soient nos désaccords, vous et moi, nous aimons les enfants. Ce soir, je n'ai pas le choix. Alors je mets tout mon espoir en vous pour que vous me les rameniez. Sam! Sam, on a des renseignements sur le colonel Farouk. Prenez le message. Maury. 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 Tu vois, il est particulier. Oui, j'espère. Et confiance. Rocky, ces ninjas ont des mitraillettes. Arrête! Ça peut pas être des ninjas s'ils sont armés. Ils ne peuvent pas s'en servir de toute façon, sinon la police les entendra. Ça suffit pour te rassurer. Attention, faites bien gaffe. Il faut surtout pas qu'on s'éloigne les uns des autres. Mais suivez-nous, et pas d'excentricité, hein. Ouais.
attraper l'oreille. Ça devrait, puisque votre grand-père était le professeur de M. Snyder. Grand-père. Débile. J'ai vachement faim. Eh ben voilà. Pourquoi on n'irait pas au resto? C'est une bonne idée, non? Prends sur toi. Il faut pas qu'on se dégonfle. On va sûrement mourir de faim. Et voilà. Non, personne ne mourra de faim. Parce qu'on va sortir de cette cabine pour aider grand-père. Grand-père? Rocky, tu perds la boule. T'as quand même pas oublié que grand-père fait partie de cette bande. C'est un ninja. Il viendra forcément nous aider. On s'en fout qu'il soit ninja ou pas, pourvu qu'il nous apporte à manger. Mais vous croyez aux contes de fées? Grand-père ne viendra pas. Parce qu'il nous a trahis. Allez, il ne faut pas se décourager. Tu te souviens pas ce que disait grand-père? Tout objet autour de vous peut devenir votre allié. Exploitez toujours votre environnement. C'est ça être un vrai ninja. D'accord. Alors maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Tu veux que je demande à la porte de devenir mon allié? C'est lui qui a raison. On est fichu. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Attends, chut. Ici la sécurité. Oui, je surveille les enfants. Vous pouvez me rappeler, je veux voir si la ligne fonctionne. Rocky, tu deviens dingue. Je crois que ça marche. Allô? Ça a l'air de fonctionner. C'est toi, Franck? Ah, c'est sûrement au gardien que vous voulez parler. Attendez. Il y a un appel pour vous. Franck? Franck? C'est extrêmement décourageant. Vous n'avez aucune excuse! Ce ne sont que des enfants! Trouvez-les immédiatement, Brown! C'est tout à fait clair. Allez, dépêchez-vous! Tout le monde dehors! Faites qu'on les attrape. Mon Dieu, faites qu'on les attrape. Allez, mon petit bonhomme, tu vas gentiment me... Couille-toi, Mustang! Thank you.
Attends. À lui défoncer le buffet. Oui, mais petit loup approché. L'autre jour, le mannequin, visez bien! Alors toi, tu vas clignoter un lac! Yeah!
Vous êtes prêts, messieurs? On est prêts, grand-père! Garde à vous! Superbe, ce combat. Ils ont reçu une sacrée formation. Oui. Et leur maître est fier d'eux. Alors, c'est d'accord? Tu t'occupes de mes hommes? Non! Quel dommage. Je suis obligé de te tuer, alors. Laisse mes petits-fils tranquilles. Non. Alors, nous allons nous battre. Mais toi et moi seulement, en combat singulier. Et si je perds ce combat... Si tu perds, tu seras mort. Et si c'est moi qui te bats? Bon, d'accord. Je suis bon joueur. Si tu me bats, on relâchera tes petits-enfants. Vous avez entendu? Oui, maître! Je suis un mec très gentil, tu trouves pas? T'es un enfoiré. Puis-je parler avec mes petits-fils avant de combattre? Oui, allez-y. Approchez-vous. Ne cherchez pas à combattre. Surtout pas. N'essayez pas de m'aider. Mais enfin, grand-père. Quoi? Mais enfin, grand-père, tu vas peut-être pas réussir. Vous vous rappelez la leçon numéro 1? Ne jamais se battre quand on n'est pas certain de vaincre. Tiens, ça te portera bonheur. J'y vais. Quatre cordes tressées ensemble. Vas-y, grand-père, c'est toi le meilleur! Mets-lui une patate! Grand-père, fais gaffe! Stop!
Dites-lui adieu, votre grand-père. Tu ne pourras plus jamais te battre, tu ne pourras plus jamais vaincre. J'ai mal partout. Non. Oh, je n'ai jamais été vaincu. Jamais. Non. On ne bouge plus. FBI, le bateau est encerclé. Vous n'avez aucune chance. Lâchez vos armes. C'est terminé. Lâchez vos armes. Les mains en l'air. Tout doucement. Salut, papa. Je voudrais passer un coup de fil. Vous n'auriez pas un franc? C'est très urgent. Est-ce qu'il y a un autorino dans le coin? Nori, je ne sais pas comment vous remercier. Je crois qu'un petit salut fera l'affaire. Alors, je te l'avais dit que tu deviendrais un vrai ninja. Merci, maman. Vérifiez chaque cabine, on ne sait jamais. Heureusement que tu étais là. N'inverse pas les rôles, c'est vous les vrais héros ce soir, c'est pas moi. Est-ce que ça veut dire que tu nous interdis plus de revoir grand-père? T'as gagné, Mustang. Toi aussi, Rocky, et... Ramdam. Ramdam. Ça y est, je le sais maintenant, Rocky, Ramdam et Mustang. Tu viens, Sam, il faut qu'on enregistre les dépositions. Ça en fait un paquet. Je sais pas où ils vont les mettre, ça c'est leur problème. Nous, on s'occupe des arrestations. Ça, tu pourrais peut-être t'en charger, Jerry. Moi tout seul? Oui, j'ai une famille à nourrir et il paraît que les héros, ça mange beaucoup de pizza. Ouais! Youhou! Dépêche-toi, grand-père! Je déteste les pizzas. Émilie? Vas-y, frime. Moi, je me taille! Merci. Allez, on rentre! Mine every time you see me. Laugh and treat me bad, but you can't defeat me. I believe in myself, that's why you can't fade this. With a full logical, totally awesome arrangement. Prepare for any situation. Be it good, bad, or even petty avocation. Hanging out of school, trying to gain a reputation. All it's gonna get you is a long vacation. Power. Power of the kids, power. Kid power. Power. Power of the kids, power. What a, what a, what is really going on? What make you think you just gonna disrespect me, your friends, your family, and all the people around you? Ain't nothing gonna happen. I don't even think so. Hey, believe in yourself. Hey! See? Nobody move, nobody get hurt. Man, you ain't gonna do jack. Yo, watch me work as I persist to this and uplift the rapper grip. What up with that? Check this, self-control, I roll with a goal. My life is what is cold, so don't try to get bold. Ain't looking for no trouble, don't wanna bust your bubble. I got the power of one, son. Power. Power of the kids, power. Yeah! Yeah, kid power. Power. Power of the kids, power. Yourself. Hey, you're pretty good. Hey, not. Ayah! Ayah! Ayah!
ça. Psych. I'm going for mine every time you see me. Laugh and treat me bad, but you can't defeat me. I believe in myself, that's why you can't fade this. With a full logical, totally awesome arrangement. Prepare for any situation. Be it good, bad, or even petty application. Hanging out of school, trying to gain a reputation. Son, you're headed for rehabilitation. Power. Power to kid power. Kid power. Power to kid power. We got the power of the kid power. Kid power. Power. We got the power of the kid power. Kid power. Power. The power of the kid power. Kid power. The power. Power of the kid power. Kid power. Kid power. Kid power. Say it again.